On est concentré sur ce qu'on a à faire. On va essayer de reproduire tout ce qu'on a fait de bien hier. Gommer les 2-3 petites erreurs et puis à fond. La recette magique, c'est qu'on va, se reconcentrer sur notre match. On n'était pas dedans hier. On a vu les erreurs à ne pas refaire. Aujourd'hui, on est prêt. Derrière moi, le groupe Grenoble a vainqueur de Villeneuve hier. Aujourd'hui, match d'appui, dernier match de la saison de la Ligue Elite pour savoir qui finira champion. Tout de suite, les images. Principalement au club de Villeneuve pour cette victoire et ce titre de champion de France élite 2022. Capitaine des Fous du Bitume. Oh, yes, Jenny! Bye-bye!
à dire, je suis juste ému, premier titre de ma vie en élite, j'espère que j'en aura d'autres, et je suis fier de mon équipe et fier de ce match. C'est une des rares fois où je crois que ce n'est pas au moins le premier ou le deuxième en finale, donc les playoffs ont été plein de surprises. Combien d'interviews on a fait cette année? Un nombre incroyable, incalculable. Ouais, on a fait beaucoup d'interviews cette année. Ouais. C'est vrai que t'es venu beaucoup à Villeneuve, mais ouais, c'était une année tellement bizarre, on va dire, parce que après le Covid, une vraie saison, c'était vraiment particulier. Et voilà, je suis content que tu puisses être là encore aujourd'hui, surtout pour nous, donc c'est cool. Et ça a été dur toute la saison, on s'est battu, il y a eu des cas de Covid, on n'a jamais eu la même équipe à chaque match pendant la saison régulière. Au final, on se retrouve avec une équipe complète pendant les playoffs. On a fait des beaux matchs, à chaque fois le match 3, c'est un abonnement à ce match. Hier, on n'était pas du tout au rendez-vous, on a pêché dans tous les domaines. Là, on a su se réveiller face à une très belle équipe de Grenoble et nous mettre le feu en fin de match. Bon, ça tourne de notre côté, la balle tourne du bon côté du filet, ça aurait pu être de leur côté aussi. On est super heureux, on est évidemment super heureux, on a une putain d'alchimie entre des jeunes talentueux et des vieux expérimentés. La mayonnaise a pris et ça nous emmène au bout, on est au max. Match extrêmement enlevé avec une intensité de folie sur les 5 dernières minutes, 3 poteaux dans tous les sens. Ouais, c'est vrai, ça. C'était ping-pong. Comment t'as ressenti ça? Il y avait le cœur ça battait fort à la fin là. Fallait faire des block shoots, c'était stressant, mais fallait gérer le stress, c'était une sensation bizarre. C'était bizarre, c'était dans l'euphorie, mais en même temps, il fallait se contrôler, c'était bizarre. Vous étiez tous sous tension, vraiment un match de folie. Moi, j'ai pu le commenter, c'était juste dingue, et notamment les 10 dernières minutes. C'était un match complètement dingue, notamment sur les 10 dernières minutes, avec deux poteaux qui sauvent Daniel Brabec, et sa crosse aussi, le haut de sa crosse, qui s'envole. Bon bref, c'était complètement dingue. J'espère que vous avez aimé ça. Nous, on a adoré. Hein. Ah, c'était un match super, c'était deux matchs super. Ça clôt une saison élite magnifique. Après des années de Covid et après des tunnels. Ça fait du bien. Ouais, en tout cas, un peu de renouveau, ça fait du bien. Villeneuve champion, un beau champion. Grenoble aurait... Un vice-champion magnifique aussi. Hein. Ouais. Ils étaient à deux doigts de chercher le titre. Hein. Ouais. Des années qu'ils le cherchent. Hein. Ah, ils étaient vraiment à deux doigts. Vraiment un très beau vice-champion de France aussi. Rendez-vous l'année prochaine. Sur FMT probablement aussi. Ouais. Ouais. Je pense que FMT Hockey Talk, ça vous a plu. Il y a plein de choses qui vous ont plu, donc on va continuer. Prochaine étape certainement en Irlande, dans deux semaines. Un peu de repos la semaine prochaine. Si ça s'achève cet après-midi, restez fidèles à la FMT. On vous embrasse. À très bientôt, je perds ma voix. Et surtout, I want to fare for the bear. I want to fare for a bear. Thanks for watching. Love to see you next time on FMT.